Vive flamme d'amour de saint Jean de la Croix. Deuxième vers du troisième cantique. Dont les splendeurs. J'ai déjà dit que les splendeurs de ces flambeaux sont les divines communications qui se font à l'âme lorsqu'elle est unie à Dieu selon sa mémoire, son entendement, sa volonté et toutes ses puissances pleines de lumière et d'amour, en sorte qu'elle est en elle-même tout éclatante et tout ardente. Mais l'illumination de ces splendeurs n'est pas semblable à celle que fait la flamme du feu matériel, car celle-ci n'éclaire et n'échauffe que les objets qui sont hors d'elle. Celle-là illumine et embrase les objets qui sont en elle. C'est pourquoi l'âme use de ce terme « dont les splendeurs ». Comme si elle disait « au milieu de ses splendeurs » et non pas « proche de ses splendeurs ». Dans le milieu des flammes de ses flambeaux et non pas à côté d'elle ou devant elle, parce qu'elle est elle-même toute changée en flamme, elle ressemble à l'air qui est renfermé dans la flamme, qui est allumé par la flamme, ou plutôt, qui n'est plus qu'un air enflammé. Et alors les mouvements de la flamme ne sont pas les mouvements de la flamme seule, mais de la flamme et de l'air tout à la fois, ni de l'air seul, mais de l'air et de la flamme tout ensemble. Néanmoins, c'est le feu seul qui brûle l'air et qui l'embrase. De même, l'âme avec ses puissances, dans le milieu de ses splendeurs qui l'éclairent et qui l'enflamment. Les mouvements de cette divine flamme ne viennent pas de l'âme seule, ni du Saint-Esprit seul qui transforme l'âme. En son feu sacré, mais ils naissent de lui et d'elle conjointement. Ainsi, ces mouvements communs à Dieu et à l'âme sont les rejaillissements de la gloire dont Dieu couronne l'âme en cet état. Ces mouvements, au reste, sont des attaques que Dieu fait à l'âme pour l'engager à se hâter de finir cette vie et d'entrer en jouissance de lui-même. Car il agit comme notre feu matériel qui s'efforce par les agitations de sa flamme d'élever l'air jusqu'à sa sphère. Mais comme l'air qui est toujours en sa propre sphère rend inutiles les efforts du feu, de même les attaques de Dieu n'ont pas l'effet qu'il prétend, parce que l'âme demeure dans le cours de la vie mortelle jusqu'à ce que le temps de son entrée dans le sein de la divinité soit venu. Les marques que Dieu donne à l'âme de la gloire qu'il lui prépare dans le ciel sont alors plus fréquentes et plus parfaites qu'elles n'étaient auparavant. Mais dans la vie future, les effets de cette gloire seront infiniment plus excellents. Ils ne souffriront plus d'altération, ni d'interruption, ni d'agitation, ni de changement. L'âme verra clairement alors que Dieu, qui semblait avoir du mouvement en elle, n'en a point en lui-même, comme le feu ne s'agite pas en sa sphère. Pour ce qui est de ses clartés brillantes, ce sont des grâces inestimables que Dieu fait à l'âme. On peut les appeler des ombragements, et selon mon sens, ce sont les faveurs les plus grandes et les plus sublimes qu'on puisse recevoir en cette voie de transformation. Mais afin de donner du jour à cette pensée, il est nécessaire de faire réflexion que l'ombragement est l'effet de l'ombre et qu'ombrager signifie protéger et favoriser. C'est pourquoi l'ange dit à la très sainte Vierge Marie que la vertu du Très-Haut l'ombragerait parce que le Saint-Esprit devait survenir en elle. Luc chapitre 1er verset 35. Il est à propos aussi de faire attention sur la diversité des ombres, car les corps les font suivant leur figure et leurs propriétés naturelles. S'ils sont longs ou courts, ronds ou carrés, épais ou minces et transparents,
Leurs ombres sont longues ou courtes, rondes ou carrées, épaisses ou claires, comme on peut le voir dans les ombres des bois et dans les cristaux de figures différentes. On peut faire la même remarque dans les choses spirituelles. La mort est la privation de toutes les choses créées. L'ombre de la mort est l'obscurité qui nous dépouille aussi en quelque façon des mêmes choses lorsqu'elle nous en dérobe la vue. C'est ainsi que David l'appelle. Ils étaient, dit-il, dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Psaume 106, verset 10. Soit dans les ténèbres spirituelles de la mort de l'esprit, soit dans les ténèbres corporelles de la mort du corps. De cette manière, l'ombre de la vie sera la lumière. Si cette ombre est divine, cette lumière sera divine. Si cette ombre est humaine, cette lumière sera humaine et naturelle. De même, l'ombre de la beauté sera une autre beauté conforme à la nature de la beauté dont elle est l'ombre. L'ombre de la force sera une seconde force qui aura de semblables propriétés que la première. L'ombre de la sagesse sera une autre sagesse de même qualité. Mais pour parler plus proprement, il faut dire qu'il n'y a dans cette ombre et qu'on n'y connaît que la même beauté, que la même force, que la même sagesse. On peut conjecturer de là quelle sera l'ombre dont le Saint-Esprit couvrira l'âme en ses grandeurs infinies. Il est impossible de la concevoir, puisque cet Esprit divin demeurera proche d'elle, afin qu'à la faveur de cette ombre, il soit toujours uni à elle. Qu'elle connaisse aussi et qu'elle goûte les perfections de Dieu dans cette même ombre, c'est-à-dire qu'elle connaisse et qu'elle goûte les propriétés de la puissance, de la sagesse, de la bonté, de la gloire, des autres perfections divines, dans l'ombre de cette puissance, de cette sagesse, de cette bonté, de cette gloire, de ces autres divines perfections. Oh, que sera-ce quand l'âme verra ces grandeurs divines, représentées par cet animal qui avait quatre figures et par cette roue qui comprenait quatre autres roues, comme Ézéchiel les décrit au commencement de ses prophéties. N'est-ce pas là que l'âme sera inondée du torrent des grâces du Saint-Esprit? Qu'elle sera pénétrée des flammes de son amour? Qu'elle sera couverte de sa protection et de son ombre? Qu'elle jouira des beautés de sa gloire dont elle aura la vue dans cette image, comme parle ce prophète? Car c'est la vue, dit-il, de la ressemblance de la gloire du Seigneur. Ézéchiel, chapitre 2, verset 1. Oh, que cette âme heureuse est élevée! Oh, que sa grandeur est extraordinaire! Oh, qu'elle est étonnée des choses qu'elle voit sans sortir des bornes de la foi! Qui pourra jamais les expliquer? Qui pourra jamais dire tous ces écoulements de Dieu, lesquels remplissent toute l'âme et se déchargent sur tout le corps? Ô sagesse divine, abîme de délices d'autant plus grandes qu'elles sont toutes renfermées dans la seule et simple essence de Dieu. C'est en vous qu'on connaît et qu'on goûte une chose sans perdre la connaissance ni le goût d'une autre, parce que tout est lumière en vous, tout y est pureté, vous êtes enfin le dépositaire des trésors du Père éternel.